30 km d'Alger, où il affirme être en résidence surveillée. Nous avons joint par téléphone celui qui se présente comme le candidat de la jeunesse algérienne. J'incarne l'espoir en Algérie, j'incarne un changement pacifique, un changement démocratique. Cet homme d'affaires né en France a une réputation sulfureuse. Lors de la présidentielle française en 2007, il paye les contraventions des femmes en burqa pour dénoncer la loi qui interdit de la porter. Reste à savoir si Rachid Nekaz verra sa candidature à la présidentielle validée. Quant à Abdelaziz Bouteflika, son directeur de campagne vient d'annoncer qu'il serait bel et bien candidat pour la cinquième fois. À l'étranger.